Près de 20 000 fêtards ont pris la direction du plateau du Larzac, près de Millau, pour participer au Technival, une rêve partie géante. Et comme d'habitude, les organisateurs ont joué au jeu du chat et à la souris avec les autorités. Car autoriser un rassemblement monstre comme celui-là pose de gros problèmes de sécurité. Reportage d'Elsa Arnoux et Véronique Galli. Face au mur du son, les teufeurs vibrent au rythme de la techno. Il est seulement 12h30 et au beau milieu du Larzac, le Technival bat son plein. Pourtant, l'événement se déroule en toute illégalité. On a beau essayer de faire des déclarations à la préfecture pour essayer de faire des soirées légales, mais l'État nous bloque de plus en plus pour, à chaque fois qu'on fait une soirée, faire des saisies ou alors essayer de faire de la répression au maximum, quoi. Du coup, c'est pour ça que ça fait deux Technival en une année, que ça se fait en illégal. Depuis hier soir, près de 8000 personnes ont afflué vers la rêve géante. Mais avant d'accéder au site, fouille en règle de tous les véhicules. Par manque de communication entre organisateurs et préfecture, seule une vingtaine de gendarmes est mobilisée. Il n'y a aucune sécurité actuellement sur le site en raison de l'absence d'organisateurs avec lesquels on pourrait au moins se coordonner et prendre des décisions pour limiter les risques d'accidents. Nous sommes sur un secteur qui est sensible aux incendies de forêt. Il y a du vent aujourd'hui, la végétation est sèche, les températures sont élevées. L'opération est installée au milieu de la Pinède. Il y a un vrai risque d'incendie feu de forêt et donc avec les sapeurs-pompiers, des dispositifs vont être mis en place pour assurer donc la sécurité en cas d'incendie. Un véhicule de lutte contre l'incendie sera installé au sein même du Technival. En attendant, la musique techno résonne pour des teufeurs venus de toute la France. On a roulé toute la nuit pendant 10 heures avec le bouchon en plus et on est là pour passer 2-3 jours tranquillement devant le son. On cherche l'ambiance, faire la fête et s'amuser et profiter de l'été. Exactement. Il n'y a besoin de rien de plus que les collègues et le son, les gars. Venez avec nous d'ailleurs au lieu de regarder là. Oh. Le Technival prendra fin jeudi prochain. Jusqu'à 20 000 personnes sont attendues sur le plateau du Larzac.